ずね。待て待て、その話はまだ。スーパーやべえ。ロビンに市長暗殺未遂で市長んとこに行ったらよ。そんな説明で。うわ、ウソップが一味から抜けた次の容疑者として名が上がったのはニコロビン。ロビンどこ行ったんだろうな。おーい、どうしたチョッパ。ロビンちゃん。ロビン、どこにいたんだよ。探したんだぞ。いいえ、いいのよ、そこにいて。何言い出すんだよロビン、あんなの気にすることねえよ。そうね、あなたたちには私にとっては偽りのない記事を。え、私にはあなたたちの知らない、や、短い付き合いだったけど、みんなにもよろしく伝えてね。ちょ、こんなのみん、ちょっと待てよロビンちゃん。ロビン、チョッパお前本当に言ったのか。ロビンがそんな。全員覚悟はあった。仮にも敵として現れたロビンを船に乗せた、落とし前つける時が来た。ことが起こるとすりゃ今夜だ。行く、ロビンを捕まえ。ゴムゴムのロビンだ。下手に突っ込んだら大変なことになるな。Salut à toutes et à tous, c'est Silence Dark 59 et nous voici aujourd'hui pour la suite de mon Let's Play sur One Piece Pirate Warrior sur la PS3. Et cette fois-ci on est arrivé à Water 7 pour... Bon, je sais même plus. Ah ouais, si, c'est pour trouver un nouveau bateau parce que notre Vogue Mary est mal en point. Vu qu'on a maravé Usopp, quand on s'est battu contre Usopp pour avoir vous savez quoi, le, pour savoir qui allait garder le Vogue Mary. Du coup Usopp a quitté notre équipage et nous voici à Water 7 pour trouver un charpentier et pour retrouver aussi notre ami Nico Robin qui a disparu. Battre les ouvriers. Ah, les ouvriers ressemblent pas vraiment à des ouvriers mais plutôt à des pirates, mais c'est pas trop grave. Prendre Nami, allez, vas-y. Donc, hop, activer l'assaut et là on peut prendre Nami. Boum. J'aime bien faire la tornade, elle est pas mal. Donc là, oui, qu'on a nos trois camarades avec nous, hein. Donc on va essayer de changer un peu. Donc là, on va faire avec Zoro. Hop, appuie sur L2 et on a Zoro. Là c'est super bien fait. Franchement c'est pas mal ça comme système, pouvoir basculer avec nos camarades. Donc là comme j'ai dit, bah Robin nous a quitté quoi, donc on est arrivé à Water 7 et on est emmerdé par le CP9. Donc CP9 c'est une agence du gouvernement a priori hein, qui recherche une arme. Une arme, c'est une sorte de bateau créé par un des charpentiers de Water 7. Donc a priori ce serait un gros bateau méga puissant quoi. Et donc il veut mettre la main dessus et pour ça il capture, il veut tuer, récupérer les documents que Iceberg, donc c'est le maire de la ville de Water 7 qui a en sa possession. Pour créer cette arme justement. Et donc bah... je fais double assaut. Bah si, je me rappelle bien que c'est ça hein. Ah putain j'ai tout tapé à côté, c'est super, c'est magnifique. Voilà là. Allez, boum, tornade. Bah celle-là elle déchire bien. Bon, on va faire ça un peu parce que sinon je vais jamais les niquer. Ouais, j'avais pas vu qu'ils avaient un chef là. Donc voilà, ça c'est fait. Comme ça. Donc, faut appuyer sur ça. Écoute tête. Voilà. Ça, non, moi je vais ouvrir la porte. On va prendre ça. Ouais, faut prendre ça.
son coin de la santé. Donc, faut a priori, je dois activer ce truc. Donc, hop. C'est vrai que maintenant je peux courir vu que je l'ai appris dans le dernier épisode. Quoi, on parle d'année, mais juste avant quoi. Donc, là, gros coup de tronche. Donc, vous savez bien, l'action, c'est pas vraiment de l'action, c'est plutôt de la plateforme. Je me vois toujours au bouton, c'est pour ça, pour courir. Hop. 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 Et hop. Très bon, il y a un truc à taper. Ah putain, mais c'est vraiment mal foutu ça. Donc coup de tronche. Donc voilà, ça c'est désactivé là-bas. Donc faut passer par là a priori. Donc hop, donc faut suivre la flèche rouge qui me dit d'aller là-bas. Oh putain, j'ai failli me viander. Mais putain, mais appuie sur R2 quand j'appuie sur R2, pas pour viser. Donc hop, ça c'est fait. Ah ouais, ça aussi c'est hop. Donc là on fait bon, on va se balancer. Voilà. Donc, je dois retourner là-bas. Donc là je dois éviter le geyser. Donc c'est là qu'on va récupérer notre nouveau bateau, hein. On va rencontrer la Frankie Family quoi. Quoi plutôt Frankie. Et donc c'est là qu'on va maraver, comment ça s'appelle le gars là. On va commencer à maraver les mecs du CP9 quoi. Donc normalement on va s'en taper un je crois à la fin. Par contre je sais pas si c'est un double boss ou quoi, je m'en rappelle pas. Et on verra bien, je vais peut-être me faire aussi Frankie peut-être. Un coup de tronche, bon, c'est tout simple, hein. Les coups de tête, rien de compliqué. Donc on est reparti. Hein. On va attendre que le geyser s'arrête. Voilà. Vite fait, bien fait. Donc là, je dois aller où? Je dois aller là-bas. Ok. Bon, c'est pas très palpitant comme face, faut dire ce qui est. Hein. Moi, c'est pas mon kiff, hein, mais bon. Donc on passe au-dessus, en dessous. Ah, il y a des gardes enfin. Mais bon les gars, je vais faire mon gros coup, ça va être plus rapide. Et bam. Oh putain, je les ai tous latés. Il en reste un. Donc ouais, c'est ça en fait. Notre équipage est... Ouais, je les ai déjà tous butés, copain. C'est bon, je peux le faire mon truc là. Notre équipage est... Ouais, comment on peut dire, elle est accusée d'avoir tiré sur Iceberg, donc le maire de la ville quoi. Parce qu'en fait Nico Robin est avec le CP9 pour diverses raisons, je me rappelle plus vraiment c'est pourquoi mais bon. Et donc bah, le but de Luffy c'est de récupérer la Robin. Quoi Robin, la Robin. Comment je dis ça? De récupérer Robin et en même temps de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans la ville. Et aussi de trouver un nouveau bateau pour s'en aller vers notre prochaine destination qui sera je sais plus quoi, mais bon on sera ça au prochain épisode de façon. On fait ça, on va casser le coffre pour récupérer un peu de pouvoir et donc là on va donner un coup de tronche sur ça, hop, et on va prendre le boulet pour repartir. Là, pareil, on va prendre le coffre, une bière, hop, comme ça j'ai mon truc à fond. Donc là faut repartir au début hein, où j'ai réactivé le truc. Donc c'est là-bas dans le fond. Donc là c'est tout con hein, franchement. Tu viens petit chopper? Non tu viens pas? Ouais c'est pas grave, allez. Donc là c'est, ça bouge tout seul, donc là j'ai rien à faire, juste à éviter des pièges je crois, voilà les trucs là, les gros trucs en sur le côté là qu'on vient de voir là. Oh je suis pas petit chopper, moi j'aime bien mon petit chopper, il est marrant. Il est attachant on va dire, pas trop marrant mais il est attachant.
Donc, à l'heure où je vous parle, on a appris qu'il y avait un deuxième épisode qui était en cours. Hein. Donc, ils sont en train de nous en faire un deuxième. Donc, on va sûrement récupérer les chapitres qu'on n'a pas dans cet épisode-là. Donc, je vais pas trop en parler parce que je sais pas trop qu'est-ce qu'il y aura. Mais bon, a priori, j'ai vu qu'il y aurait NR. Donc, a priori, ils vont nous remettre le passage de Skypea. Donc, après, c'est toujours le même principe. Hein. Ils vont toujours nous raconter leurs petites aventures avant de... d'aller à la suite, donc j'espère vraiment qu'il y aura l'île des femmes et tout, ça sera très intéressant. Mais bon, j'aurais préféré qu'ils font deux jeux et qu'ils mettent en suivant que comme ça, mais bon. On va pas le dire, on va rien faire, on va attendre qu'ils font le prochain pour savoir de quoi il va se retourner. Et donc pour l'instant on va finir ce let's play. Parce qu'il y a encore pas mal d'épisodes je pense, hein, jusqu'à la grande bataille. Donc là on verra, donc là faut que je vise là-bas, voilà. Donc le livre, c'est la sauvegarde, mais je vais pas sauvegarder, je m'en fous. C'est vrai que c'est un peu risqué, mais bon. Je sauvegarderai vraiment si ça met 3 plombs, quoi. Bon. Donc là on fait cheetah, on va éviter ça. Ah, c'est magnifique. Un carré, recarré, encore carré. De toute façon c'est toujours sur le même bouton. Hein. J'ai appuyé B, j'ai raté, c'est dommage. Donc je suis reparti pour un tour. Ah j'ai appuyé là. C'est pas possible. Allez hop, on évite. Un carré, encore. Allez, au carré. Je vais y arriver, attention. Aïe. Donc on va par là-bas. Donc la carte, elle apparaît au fur et à mesure. Hein. Donc des fois, on sait pas vraiment où on va. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, hop. Ok, là QTE. Donc il faut en bondir sur ça. Non. Donc là on fait cheetah. Donc en même temps il s'appelle Monkey D. Luffy, donc c'est un peu le singe. Hop, donc on va reprendre le canon. Tronche, on s'accroche au canon. Voilà. Non merde, j'ai appuyé d'appui sur croix, donc je me prends le boulet dans la gueule. Donc là, après, il faut monter là-haut. Donc je vais vous dire, hein, mais l'épisode, j'ai déjà fait une fois en fait. C'est ça, j'ai oublié de le préciser, mais je l'ai déjà fait en fait parce que j'ai eu un problème de son. Au lieu de refaire le son, bah je préfère refaire le jeu complet. Parce que je préfère... Merde, j'ai encore raté là. Je préfère faire le son en même temps que je joue. Parce que franchement, parler après, c'est vraiment pas mon truc. C'est pas terrible. Hein. Merde, je me suis trompé de bouton. Donc voilà. Allez hop. On va se concentrer un peu pour faire ce putain de QTE. Parce que c'est pas vraiment le fort... Quoi, c'est pas plutôt mon point fort, parce que j'aime pas ça du tout. Pourtant j'ai le temps, mais bon, je sais pas pourquoi, je vais toujours aller trop vite. Ça, c'est vraiment pas une phase très intéressante. Hein. Moi, perso, je suis pas, j'accroche pas à ce genre de truc. Donc là, faut se gonfler. Faut éviter l'oiseau. Oh, c'est bien fait, oui. On se regonfle, on va l'éviter. On va l'éviter aussi lui, je sais pas, ça ressemble à quoi, Superman ou je sais pas quoi, mais ça fait des bizarres. Alors on fait ça, et on est arrivé déjà là. Donc on va faire ça pour aller en face. Allez, oh putain, faut qu'il clignote, c'est vrai. Voilà. Donc là je dois aller sauver mes camarades a priori. Voilà, c'est ça. Donc on va d'abord aller chercher une amie, hein.
Merci. Les écriteaux de me faire barrer la route, j'ai rien vu, mais bon. Je voulais pas les quitter, mais bon, j'ai quand même réussi à le faire. Donc on va aller là-bas, hop. D'abord, on va aller chercher Robin. Hein. Robin, pourquoi je dis toujours Robin, c'est l'ami. Pourtant, elles sont pas dures à confondre. Hein. Il y en a une rose, il y en a une brune. Wouhou! Hop. Non, moi les hommes de la Frankie Family, ils ressemblent pas à ça. Donc pour ceux qui savent pas, Frankie, ce sera notre prochain camarade. Donc là j'ai sauvé elle, donc on va aller chercher Soper. Oui, j'arrive mon petit, j'arrive. Chopper, il est plus par là-bas. Ah putain, mais j'étais dessus là. Ah là là, en plus on perd l'énergie quand on tombe, donc ça c'est bien casse-couille. Donc alors, faut aller par où? Faut aller par là-bas, je crois. Mais pourquoi ils tombent là, clochard là? Ah, quel jeu clochard. Avec leur QT tout naze. Et il se balance, il fait cheetah. C'est le fi. Ouais, rien de compliqué, mais c'est vraiment un truc que j'adore pas, quoi. J'espère que dans le prochain, ils vont pas en mettre trop, parce que franchement, ça c'est vraiment très lassant. Donc là, a priori, je vais arriver à ma destination. Ah, il est là-bas, Chopper. Donc là, on va faire Chopper, puis après, on va aller en direction, parce que normalement, c'est la bonne direction, hein. Faut pas oublier que je peux faire aussi mon attaque spéciale, mes attaques normales. Hein. On va faire mon gros coup encore. Non, moi j'ai un deuxième coup normalement, mais bon. Donc il y a ça comme coup. Mais bon, ça c'est des petits coups, vous voyez que hein, c'est pas très intéressant. Mais bon, je préfère faire mon bazooka, c'est plus marrant. Voilà, ça moi ça bourrine. Bon, hop, on va taper lui. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai sauvé Chopper, je peux aller sauvegarder. Et maintenant je peux aller en face. Normalement, ah voilà. Donc on va arriver à la Frankie Family. Donc après, je vais me taper Frankie là. Voilà, c'est ça. Et je vais me taper Frankie. Frankie, putain, il est en slip. La Gaïa, il est en slip art, tout. Donc voilà, faut m'arraver. Hein. C'est un boss, un mini boss ou un boss, je sais pas comment on peut dire ça. Mais... Allez hop.
putain, enfoiré. Oh, il est où lui? Ah, il est descendu. Ah, il est remonté là-haut. Putain. Donc là, je l'ai fait tomber. Donc comme d'hab, hein, les combats là, ce sera en deux phases, hein, vu qu'il y a deux carrés distincts. Putain, enfoiré. Donc là, j'essaie de faire mon gros nouveau coup. Donc j'appuie longtemps sur le rond. Et voilà, mon deuxième nouveau coup. Oh putain, je les ai bien éclatés là. Je vais chercher ça là-bas. Ça, je pourrais le refaire. Et mon baril pour prendre de l'énergie. Putain, enfoiré, moi. Donc là, on va lui remettre un coup dans sa gueule. Oh, je l'ai bientôt battu, donc ça va aller vite. Je le remets. Moi, c'est plus radical. Je veux. Oh, voilà, je l'ai niqué direct. Donc là, j'ai chopé une pièce. Donc là, j'ai battu Franky. Alors, fallait où? Fallait au vert. Donc là, c'est là-bas. Et donc, on avance. Donc voilà, on va chercher Robin vite, vite, vite. Donc là, j'ai le droit entre tout droit ou par là. J'en sais rien du tout, on va aller par là. Même si je l'ai déjà fait, mais bon. Hop. Ah bah, faut aller par là. Ah ouais, je crois que c'était les deux chemins sont pareils, je crois. Donc là, faut être tout droit. J'appuie toujours, ça, je dois toujours le bouton, c'est affolant quoi. Donc j'espère que vous avez passé une bonne... c'est une nouvelle année. J'espère que ça va aller bien pour vous cette année. Que vous allez faire une très bonne année. Pour ceux qui ont des études, bah, vous allez avoir... vous allez avoir vos études et tout. Je crois que je vais repasser aux endroits où j'étais passé. Ah bah non. Donc là, il fallait la galère la compagnie. D'abord, je prends ça. Je vais un steak. Y a pas un truc pour la puissance, non? Oh merde, ça c'est con. Donc là on est reparti, on va voler. Carré, voilà. Et là on est arrivé. Et ouais. Oh Robin. Donc là c'est tapé lui. Donc lui, a priori, c'est le boss du stage. Bleno, un des membres du CP9. Donc c'est le mec qui nique normalement sur le toit du prochain stage, a priori. C'est après on va aller à l'île de la justice, si je me rappelle bien. Putain, lui il est costaud. Ah punaise. Il est costaud lui, hein, je vous le dis. Voilà, c'est ce que je voulais. Je vais remettre ça pour finir cette phase là au moins. Ah, je l'ai même pas encore battu, putain.
Donc lui son pouvoir normalement c'est de passer, il fait de créer des portes hein, normalement, si je me rappelle bien. Donc voilà comme là quoi. Donc c'est à ce moment-là que Luffy va se dire ouais je suis pas assez fort et qu'il va commencer à créer son nouveau pouvoir. Putain lui. Ce coup là il va très bien pour l'assommer quoi. R1. Donc là on tourne. Et voilà. Un super coup dans le dos. 我々CP9は物心ついた時より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超える 高々一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差が。せっかくだ。最後に面白いものを見せようか。猫猫の実モデルレオパルド。小人間か。 Donc j'espère que cette dixième partie de mon Let's Play sur One Piece Pirate Warrior vous aura plu. Merci à toutes et à tous de me suivre sur ma chaîne. Salut et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!